Adulé par les stars, c'est aussi le designer de mode français le plus discret. Les modeuses et journalistes ne parlent que de lui, et pour cause. Ses robes mettent en valeur le corps des femmes, sexy, oui, mais pas trop. Chaque collection raconte une histoire. C'est une collection, je pense, qui est déjà qui est très beaucoup de textures, qui a une sensualité rive gauche, qui part de Chelsea à Londres et qui finit rive gauche, un peu un voyage qu'aurait pu faire Gainsbourg avec une de ses sorcières blanches. Le mot glamour, quand même, en anglais, c'est la traduction, c'est comment manipuler le regard. Et c'est vrai que c'est une manipulation du regard sur des femmes, sur la société. Donc je suis très très content, c'est des volumes qui se promènent dans des bois. Ce sont des femmes qui ont un animal intérieur. Je pense que c'est... On en a toutes. Voilà, donc je pense que je me suis vraiment intéressé à ces femmes-là qui ont leur spirit animal, donc beaucoup de velours, des dentelles, donc des matières que j'ai jamais fait, de la maille, toujours près du corps, et oui, c'était des robes pour des sorcières blanches. Ses grandes fans, Victoria Beckham et Heidi Klum, adorent ce que Roland Mouret appelle ses robes-outils, faites pour séduire les hommes.